Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça me permet toujours de faire le point sur les produits que j'ai utilisés jusqu'à la moelle. Donc ça me permet d'avoir un vrai avis sur le long terme pour vous en parler. Donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant ce genre de vidéo. Vous m'excuserez d'avance pour la luminosité qui risque de varier fortement, mais écoutez, ça fait 3 semaines qu'elle ne varie pas, cette luminosité. Ça fait 3 semaines que y a une masse de nuages bien épaisse qui empêche le soleil de... Voilà, ben là, vous voyez, illumination, le soleil vient d'arriver. Ça va faire ça à peu près toute la vidéo, donc je m'excuse par avance, mais prenez ça plutôt comme une bonne nouvelle. Sachez qu'à chaque fois que l'écran deviendra un peu plus lumineux, moi ça me fera un petit baume au cœur parce que le soleil est en train d'arriver. Mais trêve de plaisanterie, j'ai comme d'habitude ce sac qui s'est rempli. Il me semble que la dernière vidéo c'était cet été. Donc je pense que c'est à peu près ça le rythme des vidéos produits terminés. C'est à peu près tous les 6 mois, ça me paraît pas mal. Alors par quoi on commence? J'ai 2 savons ici présents. Celui-ci, c'est celui de chez Schmitz à la bergamote et au citron vert. Qu'est-ce que j'en ai pensé de celui-là? Finesse, c'était il y a vraiment très longtemps. Alors, au niveau de l'odeur, rien de bien transcendant. De toute façon, bergamote et citron vert, c'est pas le genre d'odeur, moi, qui me laisse un souvenir impérissable. Quand vous sortez de la douche, vous avez cette espèce de film, en fait, gras protecteur sur la peau. Moi, c'est vraiment ce que je cherche, parce que je pense qu'on commence à le savoir, une peau sèche. Donc celui-ci, je me rappelle très bien qu'il laissait ce film et que c'est pour ça que je l'aimais bien. Après, bon, il n'est pas transcendant. Il est écrit sur la boîte qu'il est censé être un petit peu exfoliant parce qu'il y a de la peau d'orange. Alors ça, par contre, écoutez, il me semble pas qu'il y avait des petits grains ou de la peau d'orange ou je ne sais quoi qui faisait en sorte que ce soit un petit peu exfoliant. Donc, je trouve ça un peu étrange. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc vous voyez, il y a du beurre de karité à l'intérieur, je pense que c'est vraiment ça qui va jouer sur ce côté protecteur et doux. Il y a aussi de l'huile de palme dedans, je vois qu'il y a un label qui précise qu'elle est issue d'une culture équitable, mais de manière générale j'essaye d'éviter l'huile de palme dans mes cosmétiques, parce que c'est une huile qui vient de loin, c'est une huile problématique. Et là, bon, elle est certifiée ok, mais de manière générale, j'essaye d'éviter. Ce dont je me rappelle aussi avec ce savon, c'est qu'il était énorme et il nous a duré super longtemps. Donc voilà, bon, savon moyen, je ne vous conseille pas forcément de vous diriger vers lui. En revanche, celui-ci, vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour nous deux. C'est le savon numéro 8 qui s'appelle L'Apaisant avec des fleurs de calendula de la marque Savon Stories. Et vraiment, ce savon-là, j'ai rarement des coups de cœur aussi gros pour des savons. Je vous parlais tout à l'heure du film protecteur que le savon peut laisser après la douche. Là, vous avez vraiment l'impression d'être enveloppé, vous avez la peau toute douce, et puis l'odeur de ce savon, c'est un moment extraordinaire sous la douche en fait. Franchement, ce savon, ça a été un gros coup de cœur pour nous deux. Il mousse super bien en plus, bien mieux que le Schmitz. Vraiment, gros coup de cœur pour celui-ci. Donc il est certifié Soil Association, ça c'est le label anglais du bio, donc qui est équivalent à notre label Cosme Bio à nous. Il est sans huile de palme. Et à l'intérieur, là vous voyez par exemple, le premier ingrédient c'est de l'huile d'olive extra vierge bio. Celui-ci c'était de l'huile de palme, on n'est vraiment pas sur la même qualité de savon. J'avais reçu ce savon pour un partenariat que j'avais fait avec Naturalia. Naturalia qui se met à proposer quand même pas mal d'alternatives zéro déchet dans ses magasins. Et cette marque en faisait partie. Donc si vous avez un Naturalia près de chez vous, ça peut être l'occasion. Ensuite, je continue avec cet après-shampoing que vous connaissez si vous avez regardé ma vidéo sur ma routine cheveux qui est sortie il y a quelques semaines. Je l'ai terminé, mon petit Centifolia. Donc c'est un après-shampoing. Un après-shampoing qui a une compo vraiment super, super. Mais par contre, il faut être patient. Et si vous avez les cheveux comme les miens qui sont fins et qui s'en mêlent beaucoup... C'est un petit peu la galère, c'est un petit peu la galère, c'est vrai. Il faut vraiment être patient, donc vous avez la tête penchée vers le bas avec votre après-shampoing posé sur les cheveux, et puis vous démêlez, ça prend du temps, le temps que le produit agisse sur vos cheveux, le temps vraiment de démêler la tignasse entière.
Il faut du courage. Mais par contre, si vous avez des cheveux qui s'en mêlent pas forcément, c'est un excellent après-shampoing. Il a vraiment un effet brillant sur les cheveux. Donc moi, j'alternais avec un après-shampoing qui était bien plus efficace. Mais j'explique tout ça dans ma vidéo routine cheveux. Il est labellisé Cosme Bio. Il est vraiment pas très cher. Ce Centifolia, c'est une marque que vous retrouvez dans n'importe quel magasin bio à peu près. Donc vraiment très facile d'accès. Et vraiment, si vous recherchez de la brillance, il est top. Ensuite, j'ai deux eaux florales ici présentes. Une eau florale de lavande d'abord, de Saint-Hilaire. Ça, c'est une marque pareille que l'on retrouve en magasin bio. L'eau florale de lavande, elle a une magnifique odeur de lavande pour ceux qui aiment. C'est si vous avez des problèmes pour vous calmer le soir, par exemple, pour dormir, ça peut être une excellente solution de vous brumiser un petit peu le visage avant de mettre votre huile du soir. La lavande, elle a vraiment des vertus calmantes, apaisantes, donc ça peut vraiment vous aider pour ça. Pareil, si vous avez des rougeurs ou des irritations sur le visage, ça peut permettre vraiment de vous apaiser. Donc voilà, moi en général, j'alterne mes eaux florales. Je sais que certains réagissent mal à certaines eaux florales, donc vraiment, si jamais vous vous brumisez le visage et que vous sentez que ça picote, que ça chauffe, c'est que vous réagissez mal, donc donnez-la à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre s'en serve, mais changez, il vaut mieux, je pense. La deuxième brume que j'ai utilisée, parce que c'est pas vraiment une eau florale, c'est plus un complexe huile d'argan et eau de bleuet, c'est Ne me tapez pas dessus de chez Garnier Bio. J'avais reçu en fait toute la gamme pour peau sèche de chez Garnier Bio. Ils ont sorti en fait une gamme toute bio et il se trouve que franchement, au niveau des compos, je pense qu'ils savaient qu'on allait les attendre au tournant. C'est vraiment bien. Donc si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous fréquentez les grandes surfaces, vous pouvez vous tourner vers ça. Alors évidemment, c'est comme pour la mode, je vous renvoie si vous voulez à ma vidéo sur H&M Conscious. Certes, en fait, ces grands groupes, ils essaient de faire les choses mieux, mais ils se sont quand même construits sur toute une exploitation derrière, en fait. Le business model repose sur des choses vraiment catastrophiques et pour l'environnement et pour les hommes. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous fréquentez des grandes surfaces, ça peut être une vraiment bonne alternative, surtout que je l'ai vraiment, mea culpa, beaucoup aimé, parce que pour ma peau sèche, ça apportait vraiment quelque chose de supplémentaire, ça apportait vraiment une couche nourrissante pour ma peau, juste avant de mettre mon huile végétale, et franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, il va y avoir toute la série des produits Olution, parce que j'ai eu la chance cet été de tester la marque, ils m'avaient envoyé plusieurs produits pour que je puisse vous faire une revue, mes premières impressions, etc. Si vous voulez, j'avais tout récapitulé dans un article que je vous mets dans la barre d'infos. Et donc, les mois ont passé et je les ai terminés, ces produits. Donc, je vais pouvoir vous donner mon avis sur le long terme. À commencer donc par le déodorant qui ne ressemble vraiment plus à rien. Je sais pas si vous voyez de là. Mais je l'ai amené sur la Vélodyssée avec nous. La Vélodyssée, c'était notre périple de cet été. On a fait 1500 km à vélo le long de la côte atlantique. Et donc j'avais amené deux, trois choses avec moi, dont le déodorant de chez Olution, que j'adore, qui est vraiment une excellente solution bio et zéro déchet. Puisqu'en fait, le packaging est consigné. Donc vous voyez, moi j'attendais, parce que je voulais vous faire cette vidéo, donc j'ai attendu un petit peu avant de le renvoyer. Mais en fait, il vous donne une petite enveloppe, en fait, à chaque fois que vous achetez un produit Olution, vous le mettez dedans, vous voyez, l'enveloppe, elle est pré-timbrée, et vous la renvoyez, il les lave, et il s'en resserre, en fait. La composition est vraiment ultra clean, moi je l'ai trouvé super efficace, je trouvais qu'il ne laissait pas de marque blanche sous les aisselles, il n'irritait pas mes aisselles non plus, alors que j'ai déjà eu des problèmes, notamment avec la marque Schmitz. Comme d'habitude, les compositions sont ultra travaillées chez Olution, c'est vraiment leur grosse force, parce que c'est toute une équipe de chimistes, en fait, c'est vraiment leur métier de formuler tout ça, et pour moi, c'est vraiment, il fait vraiment partie de mes déodorants préféré. Ensuite, la crème de jour All Again, qui est vraiment un soin visage nourrissant, donc pour les peaux sèches comme la mienne, je l'ai trouvée super bien. Vraiment, elle laisse le grain de peau lisse. Et puis, vous verrez, parce que je vois qu'il y en a une autre qui nous attend, mais quand vous faites du sport avec cette crème, elle permet de transpirer avec. Vous allez voir, vous allez comprendre après quand je vais vous parler de l'autre. Mais franchement, moi, je l'ai vraiment trouvée super bien. Ma peau était vraiment ultra contente avec elle. Et pareil, elle est venue sur la Vélodyssée avec nous. Il y avait aussi le sérum de chez Olution, le sérum anti-tache. Moi, j'ai pas vraiment vu d'effet au niveau anti-tache parce que j'ai quand même quelques taches au niveau des pommettes ici de soleil. Ça a pas vraiment agi dessus.
Je disais dans l'article que potentiellement, oui, mais mes boutons, en fait, les cicatrices laissées par les boutons, vous savez, la couleur un petit peu violacée que ça peut laisser sur la peau, j'avais l'impression que ça s'enlevait plus rapidement. Peut-être, c'est vrai, mais il n'y a pas d'effet miracle en tout cas. Donc pour le sérum, je vous le recommande pas forcément, enfin ça avait pas été délirant pour moi l'effet que ça avait sur ma peau. Et l'autre énorme coup de cœur de chez Olution, c'était l'huile Plumpit. Ça vraiment, c'est un complexe d'huile vraiment nourrissante que je mettais le soir, donc juste après une brume, et le lendemain, mais j'avais la peau complètement repulpée, de bonne mine, vraiment, enfin c'était extraordinaire. Vraiment cette huile, je pense que je me la reprocurerai de nouveau incessamment sous peu, parce que c'était vraiment une très très chouette découverte. Et donc tous ces produits, je vais les mettre dans l'enveloppe et puis je les renverrai à Olution pour qu'ils soient lavés et réutilisés. C'est pas beau ça, la consigne, franchement. Je vais enchaîner direct avec la crème hydratante dont je vous parlais, c'est celle de chez Sanoflore, c'est la gamme bleue, vous savez, qui est plutôt pour les peaux à imperfection. En fait, je trouvais que pareil, elle laissait vraiment un grain de peau vraiment tout doux, vraiment affiné. Ça, vraiment pour ça, elle était super. Mais alors par contre, quand vous faisiez du sport avec, vous aviez, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais vous avez, vous savez, le visage qui est en sueur, enfin vous avez l'eau en fait dessus. Enfin c'est très très bizarre en fait, la peau respire très mal à mon avis avec ça. Je suppose qu'il n'y a pas de silicone, mais à mon avis, il y a quelque chose qui agit un peu pareil. J'ai pas la composition là sur le flacon, mais ouais, je pense que ça fait un petit, enfin ça fait un petit peu le même effet. Vous savez, la peau qui respire pas bien. Alors c'est vrai que vraiment, moi, j'observais que ça affinait ma peau et que ça la rendait toute douce. Mais ça aussi, ça peut venir d'un effet un petit peu siliconant. On est sur du Sanoflore et sur donc une marque et un produit qui sont labellisés Cosmébio. Donc il n'y a évidemment pas de silicone dans la composition. Par contre, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'en rapproche, qui est pas forcément ni toxique pour la santé, même c'est à peu près sûr, ni pour l'environnement, voilà, moi il y a cet aspect vraiment où vous pouvez pas transpirer avec, et moi qui ai tendance à faire quand même pas mal de vélo, pas mal de sport, pour moi c'est quand même un point faible. Une autre crème hydratante, et c'est le seul produit du sac qui n'est pas terminé. Désolée, mais vraiment, c'est la crème teintée de chez Fix. En fait, je crois qu'elle a tourné. Mais vous savez pourquoi ? Parce que, vous savez, le petit logo, là. Attendez, je vais m'approcher pour vous montrer. Bah, ce petit logo, je ne sais pas si vous le saviez, il vous indique, en fait, le nombre de mois que vous pouvez continuer à utiliser le produit à partir du moment où il est ouvert. Et là, il y a marqué 3 mois. En général, c'est plus 6, 12 en bio. 24, c'est vraiment rare. Mais 3 mois, c'est très rare aussi. À vrai dire, j'avais jamais vu ça. Donc en fait, le produit, j'étais censée l'utiliser dans les 3 mois. Et je pense que je l'utilisais toujours un an et demi après. Et je pense que c'est pour ça que il me semble que je l'aimais bien, cette crème teintée, au moment où je l'ai ouvert. Il me semble que je l'aimais bien, vraiment. Mais en fait, au bout d'un moment, enfin, un an et demi après, du coup, en fait, quand on est rentré de voyage, je l'ai retrouvée et j'ai voulu la réutiliser. Je trouvais que ça me donnait vraiment quand même l'air orange. Et en plus de ça, j'avais l'impression que ça me donnait des boutons et que l'odeur était quand même ultra forte et un peu bizarre. Je pense que c'est lié, je pense que le produit a totalement tourné. Faites attention vraiment à pas mettre des produits périmés sur votre visage, parce que je suppose que c'est pas très bien et je suppose que c'est pour ça que ça me déclenchait des crises de boutons. Je continue avec l'huile végétale de bourrache que j'utilisais pareil le soir, juste après ma brume, pour hydrater mon visage. Ça a été un fail, et je me demande si c'est pas encore une fois parce que le produit était trop vieux, parce que pour tout vous dire, il y a la date, attendez, c'est où ? Voilà, il y a marqué à consommer de préférence avant novembre 2019, et moi du coup je l'utilisais, on va dire, en novembre 2020, donc un an après. Est-ce que ça y fait ? Je ne sais pas. Là on parle vraiment d'une huile 100% bourrache, donc il n'y a pas de conservateur ou quoi, hein, donc forcément, en fait, hein, quand vous utilisez ce type de produit brut, ben, ils ont pas des durées de vie infinies, donc c'est peut-être pour ça. Mais moi, en fait, pourtant, l'huile végétale de bourrache, c'est vraiment conseillé pour les peaux matures, donc en général, les peaux sèches qui ont vraiment besoin d'hydratation. Parce que vous savez que l'huile, elle permet de maintenir l'hydratation à l'intérieur de la peau. C'est pour ça qu'il y a souvent la confusion avec l'huile et la peau sèche. En fait, l'huile n'est pas là, évidemment, pour hydrater, mais elle est là pour maintenir l'hydratation dans la peau. Donc voilà, l'huile de bourrache, en général, elle est conseillée pour les peaux matures, donc c'est pour ça que je l'ai utilisée, parce que je me suis dit que pour ma peau sèche ce serait parfait, mais en fait je l'ai vraiment pas trouvée suffisante pour moi. J'avais vraiment des plaques de sécheresse et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc vraiment, ben déçue. Je l'ai terminée en bain d'huile pour mes cheveux, pour tout vous dire.
Vraiment, ouais, déception, mais encore une fois, je ne peux pas me prononcer, c'est peut-être parce qu'elle était périmée, encore une fois. Et cette huile, d'ailleurs, elle vient d'un petit producteur qui s'appelle Daniel Rouillard, elle est labellisée Slow Cosmetics, qui est un excellent label, vraiment, qui va certifier évidemment les compositions, mais aussi tout ce qui va être packaging et aussi la démarche globale de la marque. Donc c'est vraiment un très très chouette label. Et donc ça, c'est un petit producteur, il me semble, qui fait de la bourrache et une autre plante. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment niche. Mais ouais, voilà. Ah oui, vous voyez, je vois, la composition, c'est vraiment 100% huile de bourrache. Et il y a même écrit sans ajout de vitamine E, la vitamine E étant un conservateur. Donc c'est peut-être pour ça. Elle avait peut-être un peu trop vieilli, cette pauvre huile de bourrache. Oh punaise, je ne l'avais pas vu dans mon pauvre sac de produits terminés, mon sérum Evolve, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo favorite, je crois que c'était la dernière. Lui, je l'ai tellement aimé, mais tellement aimé. C'est un sérum à l'acide hyaluronique 200, qui a vraiment... Enfin, je crois que c'est la première fois que j'utilisais un produit qui avait autant d'effet sur ma peau. C'était assez extraordinaire, vraiment. Il laissait ma peau, mais vraiment ultra... bonne mine, repulpée, enfin vraiment, c'était exactement ce dont elle avait besoin et c'est la première fois que ça me procurait un effet comme ça. Donc vraiment, ce sérum de chez Evolve, une vraie pépite. Evolve, c'est une marque anglaise qui coûte cher, vraiment, c'est des produits de très bonne qualité, certes, mais aussi avec un positionnement quand même haut de gamme. Donc ce sérum coûte la peau des fesses, mais vraiment, je pense que je le rachèterai parce que je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Un petit dentifrice de chez Schmitz, enfin je vous dis un petit dentifrice, mais en fait pas du tout, il est juste énorme, regardez, il fait la taille de mon visage. On a mis une éternité à le terminer, il était plutôt bien, il était noir parce qu'il est au charbon. Donc moi vous savez que j'ai une petite affection pour les dentifrices noirs parce que je trouve ça, je sais pas, ça doit faire appel aux souvenirs d'enfance, enfin c'est trop génial en fait de vous brosser les dents avec un truc noir et puis de cracher noir, et, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment ludique en fait le matin de vous brosser les dents avec un truc noir, même si au bout d'un moment on s'y habitue et on s'en lasse même parce que je trouve qu'il manque quand même ce côté un peu frais que ce dentifrice n'a pas trop trop. Alors il est vraiment bien, franchement on a aimé l'utiliser, mais... On est content de changer. Je vois aussi qu'il est sans fluor, ça c'est un grand débat quand on s'intéresse à la beauté bio. Faut-il utiliser ou non des dentifrices au fluor? Moi j'avoue que j'ai lu de tout. Donc j'essaye d'alterner avec et sans fluor, même si en fait quand on consomme des produits de beauté avec des marques responsables, etc., j'ai l'impression que c'est très rare de trouver du fluor. Donc si vous avez un avis éclairé sur le sujet, je veux bien que vous disiez tout ça dans les commentaires. Faut-il ou non selon vous, consommer des dentifrices avec du fluor? Et si oui, où est-ce qu'on les trouve en fait ces dentifrices bio avec du fluor? Parce que enfin, je sais pas où les trouver. Un mascara best-seller que vous devez connaître, c'est le Big Lash de Lili Lolo, qui est vraiment en général, j'ai l'impression dans la communauté bio, il fait un peu l'unanimité, tout le monde l'aime bien. Il a une énorme brosse comme ça qui permet vraiment d'allonger les cils. Pour moi, il n'est pas ultra volumineux, c'est vraiment si vous recherchez de la longueur, il est vraiment excellent. Il a une bonne tenue, même si c'est pas celui qui tient le mieux selon moi, c'est-à-dire que si vous pleurez dans la journée, vous aurez du transfert sur la paupière. Pour moi, c'est pas mon préféré, je pense que j'ai tendance à préférer les couleurs caramel ou le nouveau Dolution, que je trouve vraiment bien, mais cela dit, c'est vraiment un très bon mascara. Allez, on arrive bientôt à la fin. Punaise, en 6 mois, on a le temps d'en consommer des produits quand même, hein. Celui-ci, c'est le sérum de chez Antipode à l'huile d'avocat et à la rose musquée, pareil, certifié Soul Association. Donc le label anglais du bio. Alors la rose musquée, ça peut être très intéressant, pareil, si vous avez des cicatrices sur votre visage. La rose musquée, c'est une huile extrêmement cicatrisante, donc ça peut vous aider pour ça. Et l'avocado oil, c'est parfait pour les peaux qui ont besoin d'être nourries et hydratées, la mienne en l'occurrence. D'ailleurs, je vous dis que c'est un sérum, mais pas du tout, c'est une huile, hein, tout simplement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a autre chose que de l'huile? Oui, alors attendez, il y a de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba, de l'huile de macadamia, donc de l'huile de rose musquée et de la vitamine E comme conservateur. Donc c'est vraiment une huile. Je sais pas pourquoi je vous raconte que c'est un sérum, c'est peut-être pour la taille parce que il me semble que ça c'est un petit format. Mais j'avais été assez déçue, franchement. Pas suffisant encore une fois pour ma peau, décidément, elle est quand même assez exigeante je suppose,
Mais j'avais été assez déçue parce qu'encore une fois, Antipode, c'est une marque qui se positionne assez haut de gamme, donc les produits sont assez chers, et j'avais vraiment pas été convaincue par, par cette petite huile. Par contre, encore une fois, ce petit format était... Par contre, encore une fois, ce petit format était juste idéal pour la Vélodyssée, encore une fois. Sur le vélo, c'est juste parfait d'avoir son petit flacon d'huile comme ça, et puis c'est un flacon que vous pouvez réutiliser, enfin moi clairement... Ce genre de flacons qui sont teintés, donc ça permet de toujours mieux conserver les huiles, pas qu'elles tournent, ça c'est vraiment la petite astuce, avec une pipette, franchement pour moi, ça sera un indispensable de voyage, je pourrai toujours mettre mes huiles dedans et les emmener avec moi. Il me reste deux produits d'été, et oui, il est bien loin derrière nous, bien loin devant nous aussi, il semble inatteignable, mais je suppose que qu'il finira par revenir, on va se le souhaiter, n'est-ce pas ? L'huile l'Africaine de chez Carétique, qui est, ouais, il l'appelle l'huile majestueuse, mais c'est vrai, il y a quelque chose de vraiment satisfaisant, en fait, avec ce genre de produit. Déjà, moi, j'adore les huiles sèches pour le corps. Donc, je sais pas si vous connaissez le principe, mais en fait, c'est, donc, ça marche avec un petit pchit, vous pchitez ça. Alors oui, par contre, le pchit est vraiment pas du tout facile. Je sais pas si c'est moi qui suis un peu nouille, il y a un peu de ça, hein, de toute façon. Mais je trouvais le pchit pas vraiment efficace, parce qu'en gros, vous vouliez viser une zone, et puis le pchit est un petit peu à spray grand ouvert, vous voyez, donc ça en mettait un petit peu partout, à côté de vous. Ouais, pour moi, c'est un petit peu le point faible de ce produit. Mais sinon, à l'intérieur, l'huile sent divinement bon. Et puis l'huile donc que vous appliquez sur la peau, vous massez un petit peu, ça pénètre instantanément. C'est pour ça qu'on appelle ça une huile sèche. Et vous avez la peau satinée, en plus, qui va briller un petit peu au soleil. Mais pas comme si vous étiez renversé la casserole de frites sur la tête. Vraiment un vrai bonheur, cette huile. Pour l'été, c'est juste parfait. Et Carétique, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui s'est construite autour du beurre de karité bio et équitable. C'est une très très jolie démarche, une très jolie marque, et qui fait vraiment d'excellents produits. Donc si jamais vous voulez jeter un œil, allez-y. Et le dernier produit, vraiment de saison, hein, une crème solaire, voilà. Indice 30 de chez Laboratoire de Biarritz. C'est le spray solaire haute protection visage et corps. Celui-ci, pour la petite histoire, c'est ma belle Héloïse Monchablon qui me l'avait filé quand on s'était rencontrés à Copenhague, parce qu'elle, elle quittait Lille et nous, bah, on avait prévu de rester encore en voyage de très longs mois. Donc elle m'avait laissé la fin de sa crème. Et les Laboratoires de Biarritz, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures marques de soins solaires. Il y a les Laboratoires de Biarritz, il y a Aquarel. Je sais que Madara fait d'excellents soins solaires aussi. J'ai encore jamais essayé, mais visiblement, d'après ce que j'en entends, c'est top. Voilà, il y a 3-4 marques qui aujourd'hui quand même font des soins solaires vraiment de très bonne qualité, très efficaces, et qui utilisent des filtres respectueux à la fois de l'environnement et de notre santé. D'ailleurs, si vous vous posez la moindre question sur les écrans solaires, quel filtre choisir, etc., j'ai fait un article complet il y a de ça quelques années, mais franchement il est toujours valable. Je vous le mets dans la barre d'infos sur voilà toutes ces questions qu'on peut se poser sur les filtres solaires. J'avais répondu à peu près tout. Et voilà, c'en est terminé pour ma vidéo produit terminé. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans 6 mois du coup pour la prochaine. Dites-moi si vous avez vous aussi essayé certains de ces produits et quels sont vos avis là-dessus. Moi du coup maintenant je vais aller faire un truc pas terrible, c'est-à-dire que je vais procéder à la fin de vie de tous ces packagings. En général on s'en aperçoit pas forcément, vous savez, quand c'est un après l'autre, mais quand vous rassemblez tout pour une vidéo favori, vous vous retrouvez quand même avec plusieurs produits dont il va falloir se débarrasser. Et là c'est pas si terrible, parce que vous voyez il y a ces 4 produits-olutions que je vais renvoyer, il y a quand même pas mal de contenants en verre que je vais conserver, parce que c'est du verre teinté et c'est toujours utile vraiment d'avoir ce genre de verre avec soi pour conserver les huiles, vos mélanges, etc. C'est toujours intéressant, donc ceux-là je vais les garder. Les packagings de mes savons que je vais mettre à recycler, évidemment. Les flacons de mes brumes qui sont recyclables. Je garderai peut-être celui-ci parce qu'il est teinté, c'est toujours utile d'avoir une brume avec soi. Au final, voilà, il va rester les tubes. Je ne crois pas que les tubes soient recyclables. Dites-le moi en commentaire, tiens, il faudrait qu'on fasse un point sur tout ça, quels sont les packagings qui sont recyclables ou pas, même si ça se complexifie, parce qu'aujourd'hui il y a des communes où, peu importe en fait la nature du plastique, où on le trouve, etc., on met tout dans la poubelle plastique et puis c'est la mairie qui trie, donc aujourd'hui je trouve que on sait encore moins ce qui est recyclable ou pas. Mais ouais, dites-moi si les tubes sont recyclables, il me semble pas, il me semble que c'est les flacons qui le sont et pas les tubes. Et aussi ce mascara
qui lui n'est pas recyclable, ça j'en suis sûre. Une excellente façon aussi de bien finir votre mascara, c'est de le mettre dans de l'eau chaude, le laisser reposer un petit peu longtemps dans de l'eau chaude. Ça permet de reprendre votre mascara quelques temps pour vraiment bien le terminer. Et sinon de rajouter une petite goutte d'huile de ricin dedans, ou d'amande douce par exemple, ça c'est excellent pour les cils et pareil pour terminer votre mascara. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, cette fois j'ai enfin terminé la vidéo produit terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.